Le Burundi a commémoré ce 13 octobre le 61e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance. Les cérémonies marquant cette commémoration ont débuté par une messe de requiem célébrée à la cathédrale Regina Mundi. Différentes personnalités du pays, dont le couple présidentiel, le vice-président de la République, le premier ministre, ainsi que les membres de la famille du prince Rwagasore, ont suivi solennellement cette messe. Dans son homélie, l'archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura a fait appel à l'ordre et au changement de mentalité des autorités burundaises. Ce prélat a regretté qu'il y ait certains cadres du gouvernement qui trahissent le pays en ne remplissant pas leurs obligations envers leurs dirigés. Umugambi w'Imana tuze turavyibuka nuko abantu bose bokumva ko basangiye gupfa no gukira. Gardons à l'esprit que la volonté de Dieu et de voir les gens reconnaître qu'ils ont le même sort, qu'ils doivent partager. Apprendre à partager tes biens commence par reconnaître que tout le monde a les mêmes droits. Éviter à les sous-estimer t'aidera à identifier les personnes utiles et savoir quelle approche faire. Lorsqu'on parle des gens du passé, c'est facile de remarquer le mal qu'ils ont commis, de les critiquer et faire des jugements parce qu'on se dit qu'ils ont été des traîtres, ce qui est vrai. Mais posons-nous la question, car c'est là où la parole de Dieu veut en venir. Demandons-nous si en remarquant le mal commis dans le passé, nous ne sommes pas en train de refaire les mêmes erreurs. Si Jésus revenait, ne dirait-il pas que nous sommes comme ceux du temps de Rwagasore? N'y a-t-il pas encore des Rwagasore qui sont malmenés, incompris, bien même menacés sous prétexte qu'on veut se débarrasser des ronces du chemin afin de poursuivre notre route? Après la messe de requiem, les festivités se sont poursuivies à Vugizo, au musée du héros de l'indépendance. Des gerbes de fleurs ont été déposées sur sa tombe par le couple présidentiel. Et d'autres personnalités, dont les membres de la famille du prince Louis Rwagasore. Le parti Uprona reconnaît les différentes crises dans lesquelles il est passé depuis la mort du prince Louis Rwagasore. Pour Olivier Nkurunziza, président de ce parti, la réunification du parti est un travail de tous les jours. Le parti Uprona a connu des crises, c'est normal. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de se reconstituer. Nous sommes en train de rassembler Wadas Gana, mais aussi tous les partis politiques que vous voyez ici au Burundi sont presque les partis. Les responsables ont quitté le parti Uprona, ils ont pu former d'autres formations. Mais ceux qui le veulent, alors ceux qui voulaient que le parti Uprona reste encore, il y en a encore. Nous aussi, nous sommes en train de sensibiliser les nouveaux membres, de recruter même ceux qui ont quitté le rang du parti Uprona. Et c'est la vie de tous les jours. Je pense que la réunification de l'Assemblée, c'est le travail de tous les jours de la direction du parti Uprona. Le prince Louis Rwagasore a été assassiné le 13 octobre 1961, 9 mois avant l'indépendance du Burundi.